67 en 19 et 7, numéro 132 en 19 et 7, numéro 160 en 20 et 2, numéro 163 en 20 et 2. Et en plus, tu me fous pas, toi. Tu vas quoi ? Il va falloir regarder le. JF, ce fils d'Ikokiki, qu'est-ce qu'on en pense ? Déjà, je crois que c'est une fille. Excusez-moi, monsieur Ayoun, mais faut ouvrir les yeux. Si vous confondez les filles et les mecs, c'est dangereux. Ça. C'est toi en Thaïlande, tu t'es tellement trompé, toi, JF. Non, bah, c'est pas mal, c'est gentil, c'est trotteur. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit ton entraîneur ? C'était une pouliche qui est estimée ou pas ? Que Philippe Allaire, faut qu'il se méfie. Elle m'ennuie, il va voir ce qu'il va te dire. Ben c'est pas l'air, faut qu'il se méfie. C'est ce que je vais lui dire. Non, c'est bien, je suis content. Christopher, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette fille d'Ikokiki ? Bon, sérieuse. Toujours été trotteuse. La sœur, on l'a qualifiée 18 à Amiens, celle-là, elle est plus jument de course. Un petit peu tendue, c'est un peu son défaut. Elle va débuter rapidement ? Bon, JF, il va me l'amener, on va la monter. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, donc on va se faire plaisir dans l'herbe. Et après, Paris ? Bon, je sais pas. Faut voir les autres, la concurrence, hein. Faut pas mentir. J'ai pas de très bon dans l'essai, donc je sais pas. On va prendre surtout de l'argent pour sauver l'écurie, surtout. Et avant ? C'est bien allongé pour finir. Bah oui, il est sérieux, je suis content, c'est le premier de mon élevage, alors je suis doublement satisfait. C'est un poulain qui est estimé au sein de ton écurie ? Bon, il est brave, on l'a pas trop travaillé, mais il est sérieux, quoi. Alors je suis content. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait comme plan avec lui pour la suite ? Eh bah, on va courir sur l'herbe en débutant, je pense à la Ferté-Vidame ou un truc comme ça. Gentiment, mais il est correct, voilà. Donc on va lui apprendre son métier, et après on va peut-être essayer de monter les échelons au fur et à mesure ? Ouais, on va essayer, hein. De toute façon il est sérieux, et puis je l'aime bien. Vu que c'est mon poulain, c'est pas pareil quand c'est les nôtres, alors je suis content, voilà. Cédric, ouais. Elle est très impressionnante. Ouais, elle bien. Elle a une fois au qualif, elle a fait une petite faute, et puis aujourd'hui, elle était prête. À 18,5, sans forcer, on a l'impression que c'est une pointure. Ouais, je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait venir à côté, mais elle regardait un peu tout. Elle a fait ça tranquillement. C'est une bonne origine. Qu'est-ce qu'on dit à son propriétaire, entraîneur, qui est en train de se la couler douce en ce moment à Caen-sur-Mer ? Bah, on dit qu'il peut m'en donner la moitié. Romain, une 20 pour cette fille de Cocktail Jet, c'est pas mal ?
Oui, non, c'est une jument qui trotte, mais elle est très très froide, et en plus je me suis retrouvé tout seul, alors il faut vraiment la solliciter d'un bout à l'autre, mais elle est capable de mieux faire. Ouais, et c'est enclenché quand même à 500 mètres. Bah, quand il y en a un qui est venu à côté de moi, elle est repartie, mais c'est vraiment tout seul, c'est pas facile. Parmi tes pouliches, tes 2 ans, comment se situe-t-elle ? Elle fait partie des 2 ans qui vont trotter, mais c'est pas précoce du tout, je vais la remettre dehors. Romain, ce poulain cristallin, il n'est pas de tous les jours. Non, il est un petit peu voyou pour l'instant. Mais il m'a fait la faute au premier essai à 500 mètres du poteau. J'étais en tête, on serait passé. Et bah, obligé de le représenter une deuxième fois. Donc c'est bien, hein. deux fois à 40 minutes d'intervalle, c'est pas mal. Hein. Ouais, et puis là, le premier kilomètre a été effectué en 16. Ouais, on avait un bon lièvre. Et puis après, je me suis retrouvé tout seul devant. Donc il était un petit peu perdu, puis bon, on avait été vite au début, mais non, mais c'est bien, il a été jusqu'au bout quand même. Alors c'est un poulain, c'est un fils de Cazorla, qui était une des Montils, si je ne m'abuse. Comment il est arrivé dans tes boxes ? Eh ben, c'est de l'élevage de mon père, donc on s'est associé avec Monsieur de Souza, et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est un frère d'une jument que j'avais eue, Tempête d'Or, qui avait bien fait avant de connaître des problèmes. C'est un Jacques de Belouet, donc il n'est pas précoce, donc ça devrait être mieux à l'avenir. La suite avec lui, on l'envisage dès cette année ou on attend l'année prochaine ? Non, l'année prochaine, je l'ai qualifié pour pouvoir le mettre tranquille et voir ça plutôt l'année prochaine. Alors quand un entraîneur dit je le relâche, comme tu es en train de nous dire, qu'est-ce que vraiment on le quitte des yeux, il quitte l'établissement, il va au champ ou alors on continue de le travailler sans vraiment le brusquer ? Non, moi, quand, après les qualifs, quand je les relâche, ils retournent vraiment au pré et on les reprend dans l'hiver.